très bien, comme ça, on parle de Rebota, pas vrai? Bon, l'idée c'était parce qu'on on venait de travailler sur la violence policière dans notre premier spectacle. Et après, il y avait un sujet qui nous touchait vraiment beaucoup. C'était les assassinats des femmes à cause de la violence de genre, on dirait, non? Les féminicides, cette parole qu'en Espagne, elle vient de naître, ça fait peu d'années. Et on a choisi ces thèmes-là parce qu'ils nous touchaient vraiment. Il y avait quelque chose qui nous bougeait et pourtant, il nous faisait agir pour, non? Et en plus, en Espagne, à ce moment-là, en 2017, personne ne faisait attention à ça. Les institutions ne faisaient pas du tout attention à ça. Ça ne se passait rien. C'était comme des assassinats et des assassinats. Il n'y avait personne qui faisait rien. Alors, non, c'est pas. On a pris ces sujets parce que il y avait quelque chose qui nous bougeait. C'est comme une injustice qu'on vivait chaque jour et on a décidé de travailler autour de ces sujets-là. Vraiment, ce qu'on fait sur la scène, c'est pour le public. On ne pense pas au public quand on travaille, bien sûr, mais c'est vrai qu'on fait pour communiquer, pour exprimer des choses et pour partager. Alors, c'est vrai qu'on utilise une façon de s'exprimer très populaire avec les langages et avec les actions. À la fin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de métaphores. Non, parce qu'à la fin, on travaille avec beaucoup d'images et tout ça. Mais au début, je crois qu'on essaye d'aller direct au sujet ou à les idées qu'on a. Et aussi, il faut dire que nous faisons un type de théâtre, que c'est le théâtre que à veces nous gustaría voir. C'est-à-dire que nous gustaría. Que no nos dejan diferentes también y que nos divierte también, nos hace sufrir también de alguna manera. Y esto creo que el público, sin el público no existe, no existimos nosotros tampoco. Hay que tenerlo en cuenta muchas veces, porque a veces hay obras de teatro que les da igual si hay público o no. Y bueno, no estamos en este caso tampoco. Creo que tenemos un granito de arena que comunicar y que ofrecer para poder cambiar las cosas. Es nuestra labor, nuestra responsabilidad como artistas. Non, il y a autre. Mais c'est ça, je crois que nous, on partage beaucoup la vision critique, politique, certaines visions critiques de la société, on dirait ça. On s'est connus dans les manifestations à Barcelone, dans le 15e mai, ça fait 10 ans, et on s'est connus dans les manifestations, dans des réunions. Et je crois que cet esprit-là est arrivé jusqu'à maintenant.